Salut à tous, c'est Xus Carton, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur Assassin's Creed Valhalla. Et je vais continuer tout de suite. Je vais juste dégager ce que j'ai là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça doit être des trucs de la saison spéciale, ouais bof. Hop, ça s'est amélioré à fond. Le codex, on dégage les trucs. Monde maintenant. Voilà, on va aller s'occuper de ce qu'il y a ici. Ah ouais, donc on peut pas. Bref. Puis on va y aller à la nage. Ah, ça commence. Montre-moi ces terres, mon ami. Ah bah ça va, il est là. Thank you.
J'ai besoin de ta vue, mon ami. Disait je me sens bien.
aussi une malédiction de troll. Il y a sûrement un piège. Par ici. Thank you.
barricader. Après qui en as-tu? Je ne vois personne. Mon frère, il est là-dedans. Un gobelin l'a transformé en poisson. Un gobelin l'a transformé en poisson. Il refuse de sortir de l'eau pour faire ses corvées. Maman, il faut que je le fasse sortir de cet étang. Ce ne sera pas facile. Il est méchant et difficile à attraper. L'eau brouille de poisson.
pas lui. Je ne suis pas sûr du tout que ton frère ait été changé par un gobelin. Continue à pêcher! J'ai de bonnes choses pour toi, Walter. De gros asticots. Un autre. Ça suffit. Walter, reste dans les herbes. On a tout ce qu'il nous faut. On ne les a pas encore, cervelle de pudding. Ne m'appelle pas comme ça. Cervelle de pudding, cervelle de pudding. Ton frère a l'air en très bonne forme. Pour un poisson. On s'est dit que ce serait amusant de faire pêcher quelqu'un à notre place. Alors vous m'avez berné. Et cela a marché. Si tu veux, tu peux nous... Non. Bon, j'ai pas le choix en fait si je finis ma quête. On a les poissons. Merci, étranger. Une coupe. Toi, j'ai l'impression que tu as très soif en ce moment. Pour gagner, il faut que tu boives plus vite que moi. Montre-moi la... Oh, quelle audace. Oui, buvons. Il y a de quoi boire ici. Qui veut jouer avec moi? Come on.
Il va bientôt embrasser le sol. Regarde-toi, on dirait un castor crevé. Qu'est-ce que tu as contre moi ? Rien. Je ne fais que remarquer ta faiblesse de moineau. Une joute verbale. Tu as tout compris. J'aime parier. À toi de commencer. J'espère que tu es prêt. Affronterais-tu un dragon ? Prendons la fuite. Oh, tu es davantage un insecte, un parasite. Bien, continue. Je détiens une force à terrifier les ours. Ce qui les effraie surtout, c'est l'odeur de tes bourses. Superbe. J'ai le cœur d'un lion et l'échine d'un cheval. Et te ferrer les pieds ne te fait pas trop mal ? Pas mal, ça ! Je termine en disant que tu te crois bestial, mais qu'hélas, mon ami, tu n'as rien de spécial. Ah ! Aussi acéré que des serres d'aigle. Tu n'as pas volé tes gains. Coincé. Je dois passer de l'autre côté.
Sint fiorum ambulare in atris domus Dei, et ingens vestigia fessi de paradiso voluptatis, ut stimulum calcitrare. Christ, you fit you well! Pax eterna est una via ad emundationem propriae vitae et sessionum in panoptime est in sessionum. Huh?
avec Mr. Skip à qui pousse. Every mighty muffin est que l'aiga humain.
J'ai peut-être quand même un jour fait voir qu'est-ce que c'est ça. Alors, blablabla. Il répare des navires près du quai de Buckingham dans l'océan. Gna gna gna. Loin de chez toi, homme du Nord. Peut-être. Mais mes 60 hivers n'ont en rien terni mon goût pour le pillage. Et j'ai le meilleur équipage qui soit. Tu n'as pas un seul homme. Tu ne les vois pas, tous ces gars solides? Et toi, rends-toi utile et aide à préparer le navire. Apporte-en. Avec tous les pillages, nous n'aurons pas le temps de pêcher. Et l'équipage aura grand appétit. Un équipage de deux, apparemment. Et
des flèches. Apporte-en le plus possible. Imagine la terreur qui frappera l'ennemi lorsqu'une grêle de flèches s'abattra sur lui. Alvar est un vieux fou qui vit dans ses rêves. Mais quand va-t-on rentrer la récolte ? Pour mettre le feu au mur des forteresses. Nous sommes prêts à prendre la mer. Fais venir Skarn, Knut et le reste des hommes. Souffle fort dans ta corne. Derrière, que la pluie de sang s'abatte. Des loups. Bon sang. L'ennemi est sur nous. On se bat avec l'argent. On s'en tient longtemps, cette bataille. Tu as de la chance d'être encore en vie. Les hommes se sont battus. Mais il n'y avait personne. Juste toi et moi. Tes Saxons n'étaient que des loups pelés. Non ! Bjorn, Skarn, ils étaient tous... Aujourd'hui, tu as mené leurs ombres sur un navire. Ah bon ? Tu vas crever! Thank you.
Oh bah tiens. Si en plus il me fait la, le chemin pour ici. Il plaisante là. Sachant que ça va me gonfler.
Si seulement Rose était... Tu as des ennuis, paysan? Rose? C'est toi? Tu m'as l'air un peu perdu. J'étais si impatient de te parler à nouveau. Mais je ne t'ai jamais vu. Rose, Rose, ne te moque pas. Très bien. Et moi, je suis heureux de t'avoir à mes côtés, Rose. À quoi je les ai rentrés ces caisses? Oui, Rose, juste là. Tu as toujours été très maligne. Ouais, donc faut pas les rentrer les caisses. On dirait que tu as pris des forces. Donc faut pas les rentrer à l'intérieur ni les mettre là en dessous, faut les poser sur ce foutu tapis. Et sérieux, ils pourraient le dire, hein. C'est la dernière. Viens avec moi, Rose. Ils sont quand même sous voilà la pluie. Que nous n'avons pas discuté. Enfin bref. Merci de ton aide, Rose. Rappelons-nous le passé, veux-tu? Quand je courtisais ta mère, par exemple. Pourquoi pas? Tu as toujours aimé cette histoire. Alors, quand j'étais jeune homme, on m'a envoyé m'occuper du bétail d'un grand seigneur. Le premier jour, alors que je ramenais les bêtes du pré, j'ai vu une vachère dont le sourire brillait comme le soleil. Elle m'a plu, je lui ai plu. Nous sommes allés dans une réserve pour faire plus ample connaissance. Et ensuite? Quoi? Oh oui,
qu'est-ce que je disais? Ah, ta mère et moi dans la réserve. Oui, eh bien... le Seigneur est entré et il nous a surpris. Il s'est mis dans une colère noire et a levé sa hache. Alors que j'étais nu comme un ver. Mais ta mère eut l'esprit vif. Maître, ce garçon peut vous rapporter plus de lait que vous ne pouvez en rêver, a-t-elle dit. Comme le Seigneur aimait le lait, il a répondu « Apporte-moi ce lait et peut-être me montrerai-je Clément ». Nous nous sommes rhabillés et nous avons couru jusqu'à l'enclos. Nous avons trait les vaches en toute hâte et avons rapporté deux sous. Le Seigneur goûta un peu de lait. Satisfait, il dit à son serviteur de le mettre à l'ombre et déclara « Encore du lait, tout de suite, maître !» dit ta mère, et nous sommes sortis en courant. « Comment allons-nous faire ?» lui ai-je dit. « Les pies sont vides. » « Hé, je veux connaître la suite. » « Oui. Oh, les pies sont vides. Ta mère m'a dit de ne pas faire le nigaud. Elle m'a fait faire le tour jusqu'au seau qui était à l'ombre. On va les lui rapporter en disant que ce sont de nouveaux seaux. » Et nous avons apporté au maître le même lait. Une fois encore, il fut ravi et en redemanda. Et nous refîmes le tour. Bientôt, le maître eut 10 seaux. Enfin, selon lui. Alors, il nous donna sa bénédiction. Nous allâmes à l'écurie, volâmes un cheval et ne revînmes jamais. Tu es né peu après. Un très joli bébé au teint de lait. Nous t'avons appelé Rose, comme l'une des vaches. D'ailleurs, ça me rappelle l'anneau de ta mère. Elle voulait que tu l'aies. Je ne sais pas quoi dire. Tu devrais le garder en souvenir de mère. Comme tu es gentil. Je te le lèguerai le moment venu. Je dois partir, père. Prends soin de toi. C'est toujours un plaisir de te voir, Rose. Reviens-moi vite. Huh?
m'occupe de cette carbine. Finissons-en. Juste ce que j'attendais.
Le Christ est à nos côtés. Tu as perdu.
Bon, du coup, moi, je vais m'arrêter là et je vous dis à très vite pour la suite. Salut tout le monde !